Oh là, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont trois dans Migos. Ouais, c'est Tyler, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rap News, c'est l'épisode 31. Alors avant de commencer les petites news, comme d'habitude, on fait un petit débriefing de la situation du moment, la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Eh oui, donc vous avez, j'espère, écouté, vu, regardé, peu importe la plateforme où vous êtes, l'interview avec Petit Voyou, voilà, j'ai vu que ça marchait bien. On a eu des bons retours, donc ça, ça fait grave plaisir. Même lui, il m'a dit qu'il avait eu des retours de son côté, donc ça tue. Merci beaucoup à tous ceux, aux nouveaux aussi, d'ailleurs, ça m'a ramené un peu des nouveaux, donc c'est cool. Enchanté, les gars, bienvenue. Et voilà, donc comme d'habitude, si vous voulez venir discuter avec moi, c'est tyler.lemedia. Tyler, c'est T-Y-L-E-R.lemedia sur Instagram. Et puis voilà, on peut discuter tranquillement. D'ailleurs, cette semaine, qu'est-ce qui va arriver? Enfin non, pas cette semaine, je dis n'importe quoi. C'est normalement, dans une semaine d'ailleurs, jeudi prochain, normalement, je vais vous balancer le making-of du clip sur lequel j'étais la semaine dernière. Et ouais, ça va être un truc de fou. Gros clip, c'était le clip de PSO Thug. Et ouais, ils reviennent, donc ça va arriver la semaine prochaine. Et voilà, mon making-of sera là. Et aussi cette semaine, j'étais où? J'étais encore une fois en tournage, je n'arrête pas là, avec ma petite caméra là. Je suis allé un peu partout et donc j'étais en tournage sur l'émission Légende Urbaine. Voilà, si vous êtes fan comme moi de rap, vous connaissez forcément cette émission présentée par Juliette Fievé, voilà, qui est la big boss. Voilà, il n'y a pas mieux. C'est la big boss du rap français. Elle est là depuis 20 ans dans le game, elle connaît tout le monde. Et donc, elle a une émission qui s'appelle Légende Urbaine, qui est diffusée non seulement sur YouTube, mais aussi sur RFI, radio mondialement connue, France 24. Donc, pareil, là, c'est diffusé à l'international. Voilà, c'est une émission, c'est pas n'importe quelle émission. Du coup, avec tout ça, elle est regardée et écoutée par des millions de personnes dans le monde. Et franchement, c'est vraiment du lourd. Donc, j'ai eu la chance, voilà, merci à elle, si jamais elle regarde cette vidéo, de m'avoir invité. J'ai eu la chance d'être dans les coulisses. J'ai pu filmer un petit peu les coulisses. C'était des grosses émissions. En plus, émission avec Franck Gastambide, voilà, réalisateur, créateur de la série Événement Validé qui va sortir ce 20 mars. Il y avait aussi le rappeur Sams dont j'avais parlé en plus dans mon épisode de vendredi, voilà, qui a fait le son phare pour l'instant de la BO de Validé, le premier extrait, en featuring avec Lacrim. C'est dingue, voilà, il était là, il était avec moi, on a fait une petite vidéo et tout, franchement j'étais refait. Et puis voilà, après il y avait une deuxième émission qui était tournée le même jour, avec Naps, voilà, et Naps en plus, croyez-le ou non, Naps, c'est un gars, il rigole pas, il arrive en avance. Du coup, il était là vachement en avance, tout le monde était choqué, tout le monde disait « Ah, mais truc de ouf, un rappeur en avance, ça n'existe pas, quoi ». Il était là, du coup, j'ai pu me poser, j'ai pu parler un petit peu avec lui. Bon, j'ai pas tout filmé, tu vois, il y a des moments, il faut que ça reste intime. Mais voilà, du coup, j'étais face à lui, c'était cool, j'ai pu lui dire ce que je pensais directement de son album. Ça, je trouvais ça vraiment cool de pouvoir faire ça, tu vois, j'en avais parlé pareil vendredi avec Nabil et tout, et puis là, lundi, je me retrouve avec lui, quoi, donc voilà, c'était un régal. Du coup, ça aussi, ça va arriver dans les semaines qui arrivent, du coup, forcément, bien entendu, on m'a invité, donc je respecte les règles du jeu. Il faut que j'attende que les épisodes officiels soient sortis. Bah oui, je vais pas vous balancer des images exclusives que le truc n'est pas sorti, bah non. C'est pas sympatoche. Donc du coup, voilà. Dès que les deux épisodes seront sortis, il me semble que celui de Naps, il sort là dimanche. Donc celui avec Franck Gastambide validé sortira juste avant la série, bien entendu. Donc voilà, mon épisode, ma petite vidéo making of, vous les verrez avec moi. Ce sera juste avant la sortie de Validé, donc juste avant le 20 mars. Bon allez, trêve de blabla, on passe aux news, c'est parti. Quoi de neuf aujourd'hui? Dis-nous tout. Alors en première news, on a Jules déjà qui nous a balancé un extrait inédit, voilà, sur Instagram. Et mon cœur il brûle comme la fraise, mon pétou. On a Booba aussi qui a été ouvrir sa nouvelle boutique de sa marque Disconnected, DCNTD. Il a été ouvrir une nouvelle boutique à Dubaï. Et voilà, il a été aperçu en train de faire le signe de Jul. Magnifique.
On a la grosse rumeur aussi, plus qu'une rumeur même, j'ai envie de dire, dont on avait parlé, c'était Nabil qui m'avait parlé de ça dans l'épisode de vendredi, c'est qu'apparemment SCH et Hamza travaillent sur une mixtape en commun, donc j'ai vu comme quoi ça pourrait sortir au mois de juin ou quelque chose comme ça, donc ça risque d'être du très très lourd ça. Ça va mélanger le swag, la musicalité d'Hamza avec... La poésie, la belle plume de SCH. Grosse rumeur aussi concernant Medine qui devrait envoyer Grand Paris 2. Voilà, Grand Paris, déjà le premier c'était une tuerie. Il y avait Youssoupha, je me rappelle moi, c'est surtout le couplet de Youssoupha qui est, je crois qu'il est en dernier sur le son. Je trouve qu'il a sorti des punchlines incroyables. Il y avait Nino, il y avait Seth Gecko, bien entendu. Voilà, tous les gros punchliners de Paris, quoi. Donc là, il nous envoie le 2. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait Booba, mais à mon avis, non. À mon avis, il va y avoir des gros lyricistes du moment. Voilà, on va avoir du Alpha One, du Dinos, des trucs comme ça. Enfin, j'espère. Rimka aussi qui nous a annoncé son featuring avec SCH et Kobalade. Ça va être une petite perle. Nino qui nous a balancé encore un petit extrait de Mills 3. Non, tu verras pas ma tête. Et ça, je peux te le jurer. RS3, y'a les palettes. On baisse la vite que pour tirer. Omi, c'est prémédité. Pas d'associé, zéro balance. Y'en a peu qui follow la cadence. Là, tu passes pas la même qu'avant, non. J'ai mis à l'aise, toi, bientôt. J'ai fait du paquet, ouais. Cette année, j'ai fait du paquet, ouais. Un son qui est sorti aujourd'hui. Gros son, franchement, ça, j'ai trop kiffé. Je crois qu'il y a le clip qui arrive dans la journée. J'ai hâte de voir ça. C'est 10K featuring Naps et featuring AM La Scampia. Franchement, les trois Marseillais ensemble. Les trois se mélangent parfaitement bien. 10K, voilà, avec sa voix un peu bourrue et tout. Le flow de Naps et tout. D'ailleurs, c'est des Naps qui démarrent le son. Franchement, bête de son, ça, j'ai kiffé. Je sais pas si vous avez vu aussi la petite interview de François Hollande chez Combini. Voilà, il a dit « Monsieur écoute du rap, apparemment ». Voilà, interview pleine de démagogie. Voilà, on a dû lui conseiller, hein, voilà, dis plutôt ça, dis machin, fais-toi passer pour un gars sympa auprès des jeunes, enfin François. Enfin je dis ça, mais si vraiment tu écoutes du rap, François, viens dans mon podcast, on fait une interview, on en parle ensemble. Et aussi une énorme déception là pour moi, c'était dimanche. J'étais dégoûté, j'étais pire que dégoûté, j'étais dépité, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je vois quoi, Kanye West à Paris en train de faire son Sunday service. Eh ouais, non mais il faut me dire aussi les gars, appelez-moi, je sais pas. Moi, je serais venu directement. Je savais même pas ça. Moi, je croyais qu'il avait pris son petit bucket de KFC, il était rentré chez lui là-bas. Mais non, le gars est toujours là. Putain, ça m'énerve les trucs comme ça, la merde, rater des occasions pareilles là. Alors côté extrait, on a aussi Kekra qui nous a balancé un petit extrait d'un son, ça sort vendredi. Grosse news aussi concernant le festival Chorus qui va se dérouler là bientôt, la fin mars. Ils ont annoncé qu'il y aurait Booba. Donc voilà, on prie pour que le coronavirus ne nous ait pas tous atteints d'ici là et qu'on puisse au moins aller voir Booba au moins une fois avant de mourir. D'ailleurs, Booba sur les réseaux qui s'est bien amusé comme d'habitude, a clashé ses comparses, Lafouine et Caris. Voilà, en fait, au final, les trois maintenant, c'est devenu comme un petit trio d'humoristes, en fait. Voilà, le leader, c'est Booba, il nous fait bien marrer avec ses deux comparses. Et non, franchement, il les a bien taclés, comme d'habitude. Ça m'a bien fait rire, surtout la vidéo où il parle de Caris, c'était quand même bien drôle. Salam alaikum, les frères. C'était juste pour vous informer qu'à l'hôpital de Sevran, apparemment, il y a Caris, à cause de ses yep, il y a le coronavirus. Il l'a donné à tout Rougemont. Et apparemment, Maes et sa bande, la LDS, apparemment, ils ont sécurisé le périmètre. Handkoum, les frères, c'est chaud, il y a le coronavirus. Caris, il l'a donné à tout le monde. Riska, dit la grande beubar, dit la grande nuque, dit Octogone refusé. Il a refusé à cause de ses grands yep. Bon, Hassou, je vous laisse. Il y a Maes qui m'appelle. C'est chaud. Et apparemment, le ministre de la Santé, COP, dit B2O,
il a alerté à l'avance sur ses grands yep. La Onisie, apparemment, pédophile, tourne dans trappe. Salam alaikum. Grosse news aussi concernant Oxmo Puccino, qui a été fait officier de l'ordre des arts et des lettres. Et ouais, je suis obligé de lire là pour ça, il y a trop de mots en une seule phrase, là je vais me perdre. Et franchement, respect, oui, il le méritait amplement le gars, amplement. On a eu aussi trois grosses annonces de tracklist. Alors la première, c'est Josman qui nous a balancé la tracklist de son projet Split qui sort ce vendredi avec des featuring magnifique, en veux-tu en voilà, des sons, je me demande ce que ça va donner, je sens que ça va être magnifique. On a Leto, voilà Leto, hein, big up Leto. On a Seth Gecko, ça j'ai trop hâte d'écouter, ça va être une petite perle ça. On a Zed, voilà Zed, membre de 13 blocs. On a aussi Chili et on a même Hamza. Mais c'est bon là, arrêtez les gars de sortir des albums aussi de fou comme ça. Je sens que je vais encore une fois pas dormir pour écouter tous vos albums, tous vos sorties là. Alors on a aussi Infinite qui nous a balancé sa tracklist. Alors on a qui? On a Barry et Vust. On a Dean Burbigo. Dean Burbigo, franchement moi j'ai jamais accroché, je sais pas, son personnage, sa voix un peu forcée et tout. Mais bon, voilà, peut-être qu'il terminera par me faire changer d'avis, j'espère. Featuring Gros Mot aussi. Featuring Alpha One, voilà, j'avais dit, Alpha One, c'est le nouveau gars en featuring. Quand tu veux de la prose dans ton projet, il faut Alpha One. Featuring Yeshe et un autre son, featuring Alpha One et KSA. Donc voilà, le projet d'Infinite, ça sortira le 27 mars et ça s'appelle Ma vie est un film, volume 2. Et on a eu aussi Sneezy, voilà, qui arrête pas de nous balancer des petites bribes d'informations par-ci par-là. Il nous a balancé enfin qu'il y avait des featuring sur son projet. Au début, il avait balancé la tracklist. Moi, je me suis dit, oh, il nous fait un projet 100% solo. Pourquoi pas? Eh oui, pourquoi pas? Mais en fait, il vient de nous annoncer les featuring et les featuring de malade, bien entendu. On a Alpha One, voilà, obligatoire. On va bouffer du Alpha One. Voilà, préparez-vous. J'espère que vous aimez comme moi parce que vous allez en bouffer toute l'année. Là. On a Esprit Noir, on a Laylo. Voilà, Laylo qui vient de sortir son projet, Le Fa, truc de fou, avec Le Fa, ça risque d'être du lourd, et bien entendu, le gros featuring Nekfeu, voilà, c'était obligé ça. Bon allez, on passe au clip. Des clips, des vidéos, un peu de style, c'est des freestyles. Alors en sortie clip, on commence avec le son de Swift God featuring Altarba et aussi Douskawa. Voilà, petit clip plutôt simple mais efficace. J'ai bien aimé, l'ambiance c'est convivial, on voit que c'est vraiment des potes et tout, ça j'ai bien kiffé. On a A2H aussi qui nous a sorti un clip avec pas n'importe qui dans le clip. De quoi se rincer l'œil, Lisa Del Sierra. Si vous connaissez pas, cherchez sur le moteur de recherche de Pornhub, vous allez voir. Soprano qui nous a balancé son clip Ninja. Sneezy aussi qui nous a envoyé son freestyle Feu Régulier numéro 2. D-Ace qui a continué à surfer un petit peu sur son buzz des... Il avait fait plusieurs sons qui s'appelaient Manga, voilà, Manga 1, Manga 2, Manga 3. Et bien là il revient avec Manga 4. Gianni qui nous a balancé son freestyle Rendez-vous, que j'ai fort kiffé, franchement, allez écouter ça. Josman qui nous a balancé le clip de J'allume, qui est plutôt un genre de petit film. Chotas qui nous a balancé le clip de G et F, voilà, ça veut dire Gucci et Fendi, hein, tu connais, la street, le business, l'argent, la maille, la richesse, le pouvoir. Hornet qui nous a balancé son clip en featuring avec Alonso, ça s'appelle Cito, voilà, ça kick. Un rappeur aussi que j'ai découvert hier qui s'appelle Jalito. Ça s'appelle En Règle 2, le dernier clip qu'il a sorti. Et franchement, j'ai bien kiffé, j'ai bien aimé son univers, tout ça, bien aimé son style. Allez écouter ça, allez écouter. Et si vous vous demandez à quoi il ressemble, comme il dit lui-même, c'est un bougnoul loxé. Et ouais, c'est écrit dans sa bio Instagram, hein, j'invente rien moi. Dooms aussi qui nous a sorti son clip en featuring avec Gros Mot, ça s'appelle OK. The Guerre qui nous a envoyé son freestyle Corset 7, et franchement, ça aussi, allez écouter. En tout cas, moi, je kiffe. Moi, voilà. Depuis qu'il est sorti, là, je clique, je fais de la vue à foison. Et je voulais terminer avec le clip que j'ai le plus aimé dans toutes ces sorties. Là, franchement, je trouve que la réalisation, elle est magnifique. L'histoire, elle est pas mal. Les plans, ils sont
Incroyo, voilà, tout simplement. Franchement, il s'appelle Soulja. Soulja, voilà, c'est un rappeur du Québec. Voilà, il y a beaucoup de rappeurs du Québec et tout qu'on n'entend pas forcément parler en France. Là, on est obligé d'en entendre parler parce que c'est en featuring avec Seth Gueko et en featuring avec Cynic. Et en plus, si tu cliques, que tu regardes le clip, voilà, non, tu te prends une claque. Eh, pas mal ça. Si tu clips, non. Si tu cliques, tu regardes le clip, tu te prends une claque. Hey, pas mal, allez, prenez des notes. Donc voilà, j'ai vu que ça avait été réalisé par Vincent RC. Donc voilà, force à lui, big up à lui, magnifique ce que tu fais. Si jamais tu tombes sur cette vidéo, franchement, c'est du lourd. Bon, et ben voilà pour les sorties. Voilà. Donc du coup, juste un petit message pour ceux qui sont seulement en podcast. Pensez à venir me voir un petit peu sur YouTube, pensez à vous abonner, tout ça, notamment pour les making-of qui arrivent, voilà, où il y a du lourd, où voilà, j'ai travaillé, je suis allé sur place, rencontrer les gens, voilà, il y a vraiment des rappeurs avec moi et tout. Donc, venez voir sur YouTube parce que ces épisodes-là, du coup, je ne pourrais pas les mettre en podcast, c'est évident, voilà, ça va être très bizarre. Donc, voilà, je vous attends, vous êtes les bienvenus. Comme je disais en début d'émission, sur Instagram aussi, ou vous voulez sur Twitter, vous choisissez votre plateforme préférée, vous cherchez Tyler le Média et vous me trouverez certainement. Et puis voilà, on se retrouve dans tous les cas demain pour les sorties. Et puis voilà, ciao!